peu plus. Ouais, on s'en fout, c'était une intro mémorable. Moi, je pense faire plus de gestes. Aujourd'hui, vidéo de malade mental. Parce que là, j'ai ramené des machines à s'en taper la tête par terre. Donc, attention, il y a les ombres zen, il faut que tu t'écartes. Alors, il y a des camions qui arrivent, c'est pas grave. On s'en fout. 2,5 KXF 2004, le tout premier 4 temps cross de chez Kawasaki. Modèle qui n'existe pas en 450. Cadre en acier. Voilà. Donc, autant dire que la moto, elle fait plus de 100 kg. Moto de malade. Voilà, moto de fou. Et à côté, c'est le pire. Parce qu'à côté, on avait déjà les pneus d'origine sur celle-là, datée de 2003. Mais celle-là, c'est encore pire. Alors, viens voir. Oh là là. Celle-là, c'est un truc de fou. 85KX de 2004. Je suis la deuxième main. Enfin, la troisième. Mais t'as Il y a eu un intermédiaire entre les deux. Il y a eu un intermédiaire. Que je remercie d'ailleurs. 85KX 2004, complètement neuf. La moto a 3 heures. Pneu d'origine avant, arrière. Airbag latéral. Et bon, poignée d'origine, c'est les anciennes poignées. Tu vois, c'est tout dur. Donc, c'est vraiment limite du vintage. Embrayage tout neuf. C'est un truc de fou. Tu la fermes en... Et il y a un défaut, parce qu'il y a toujours un défaut. Ouais, personne n'est parfait. On l'a maquillé, c'est la magie du cinéma. Viens filmer de ce côté. Voilà, le kit déco a été enlevé ici. Donc, c'était une des plus grosses déceptions de ma vie. Ça, après la mort de tonton William. Je sais pas qui c'est, désolé. De base, j'avais celle-là. Et après, j'ai vu celle-là sur un snap de vente de bécane. J'ai dit, il me la faut direct. Donc, elle a été importée du Japon. Et il faut savoir que ces modèles-là ont des très gros problèmes. Elles surchauffent trop et le carter au moteur casse. Ouais, mais oublie pas de dire qu'elles ont des gros problèmes, celles-ci, ces modèles-là. Ouais. Elles ont des très gros problèmes. Ouais, très gros problèmes. Et du coup, sur celle-là, le cylindre a déjà été changé. Et la pompe à eau aussi. Alors que la moto est limite comme si elle sortait du magasin, tu vois. Allez, go! Donc, ce que je propose pour cette vidéo, c'est que Sven fasse une bavette. On va les démarrer chacune leur tour. Donc, d'abord le 250. Préparez-vous. Dans le magasin. C'était le premier coup de kick. Ah là, on est chez Kawa là. Là, on est chez Kawasaki. Oh! Et il a quoi ton loup là? Je sais pas. Et celle-ci, bon, celle-ci, je sais pas si ça va être. Oh, bon. Je sais pas si ça va être aussi facile. On va mettre un coup de starter. Il y a déjà le starter. Oh là là! Là, là. C'est un vrai. Ouais, c'est vraiment un bruit de neuf. Est-ce que l'essence est d'origine? Ah oui, l'essence est d'origine. Ouais. Ce que je vais faire, je vais mettre une veste parce que sinon je vais mourir de froid. Ouais. Ma veste est là-bas. Heureusement que t'as ton petit sac à main avec toi quand même. De quoi, ma sacoche? Une sacoche comme ça tout le temps. Parce que c'est important, tout le monde me fait des tas de compliments dessus. J'ai des trucs de foot dedans. Ouais, bah oui, ça me vient. Il y a des trucs je peux ou aller vite dedans. Bien. Sauce. Ah ouais, sauce algérienne. Stylo. Marqueur, ouais. Plastique. Coke. C'est des Nurofen, mais carrément, il a ses papiers, il a son passeport et tout, le mec. Passeport. Kit Kat vert. Kit Kat vert, ça c'est japonais. Kit Kat japonais. Ouais. Ça c'est. Ouais, c'est pour mettre. Pour tes lentilles de contact. Ouais, lentilles de contact. Lentilles. Et t'as aussi la. Mal, ça, tu cool. Veux voir la poche secrète? Vas-y, la poche secrète. T'as une poche secrète. Ah ouais, d'accord. Poche secrète, c'est. Tu vois, t'as un peu de Mongo. Ouais, ouais. T'as un peu d'Oji. Après, ouais, pas mal. Ça, c'est du papier pour écrire. Pour qu'Elias il fasse des dessins. Ouais. Ouais. Si je pars papier en. Toilette, ouais. En Suisse. Si je pars en cavale. Tu vois, j'ai toujours des monnaies. Ouais, comme ça, tu peux changer de vie direct. Des monnaies étrangères. C'est pas mal cette sacoche en fait. Allumettes. Oh, putain, des allumettes. Le mec, il a pas de briquet quoi. Sven, tu vas prendre la 2,5. Ouais. Et moi je vais prendre la 85. Ouais. Mais quoi, Svel, tu comptes cabrer avec la 2,5 ou pas? Bah je crois que Dave va venir derrière moi ou toi pour filmer, bah, non? Bah je vais monter derrière toi si tu cabres pas. Si t'es derrière moi je cabre pas, sinon je cabre, tu vois. Moi je suis un mec qui cabre. Non mais moi je, pour que Sven il cabre, hein, on prend un véhicule filmeur. Hein. Ok. Bonjour mesdames. Véhicule, bonjour. Bonjour mesdames. C'est une belle journée. Bravo. Ils sont stricts, hein. Ouais. Street.
bizarre, je te le dis moi. C'est le perruque là. Tu vois son sac, tu vois dans son sac à dos. Il y a une caméra. Ils sont en train de nous filmer là. Ouais. Salut. Faut pas me faire croire que eux ils viennent là. Le petit tour du jeudi. T'sais, genre au bout. Oh oh bah mince. On s'est trompé, c'est sans ici. C'est un cul-de-sac. Bah tiens. On va... Oh bah faut qu'on repasse devant le garage. Le petit tour, allez. Et tu sais, quand ils passent, ouais. Eh ben ils nous regardent même pas, tu sais, genre comme ouais. Ça. Ils ont regardé. Et tu peux leur dire bonjour, tu peux leur dire bonjour mesdames. C'est des robots. Ils te répondent même pas, ils passent comme ça. Ils peuvent se rentrer ça, dedans ça, à tout ça, moment. Cheveux, hein. Ça, ça arrive fréquemment. Hein. Ouais. Ça, c'est des trucs qui arrivent souvent. On est en train de marcher dans la même position que tout à l'heure. Je suis parti 30 secondes, c'est parti en couille. Non, ouais, non, mais il y a des... Tu sais, la police, c'est n'importe quoi. Ah oui, ça, oui. Ils c'est forment des agents maintenant, c'est n'importe quoi. C'est ouais. Dingue. Remarqué, elle fait même pas de bruit, rien du tout. Par contre, j'arrive pas, j'ai les mains trop froides. C'est abusé, hein. Le frein, il est parfait. Bon, bon. Il y a quelques petits trucs. Il allait dire, allez, neuf, regarde, ralenti, nickel. Peut-être nous prendre les motos. Quoi? Je sais pas. À un moment il nous dit c'est pas grave, après il nous dit on appelle je sais pas quoi. Je voulais que nous crever. Moi. Moi je lui ai dit c'était un petit wheeling d'une minute quoi. Eh il tape leur scooter. Hein. C'est pas belle machine, belle machine. C'est pas les mêmes que d'habitude. Non. Mais ils sont grave sympas. Il y a l'embouteillage. Je repars en poussant hein, Wheezy. Ouais, pas le choix. Au revoir, bonne journée. Merci à vous aussi. Après franchement regarde je te mens pas, ils étaient super sympas. Ils nous ont juste mis 90 euros d'amende pour pas de casque. Ouais. On était en croix sur la route, moi ils sont venus avec le Giro, j'étais en symphonie. Mais c'est ça que ça veut dire, c'est mieux de rouler sans casque en vrai, parce que si on avait un casque, ils auraient mis une amende pour autre chose. Et ils auraient dû trouver un truc plus grave. Ah, commence pas. Mais est-ce que tu penses qu'ils avaient un lien avec les deux passantes de tout à l'heure? Bah oui, c'était des indices, il l'a dit. Oh. Vous voyez, après on me traite de. On dit Alan, il est devenu paro. Parano, je sais pas quoi. Balèze, il dit des trucs de fou. Alan, il vous laisse jeter du 6ème chez moi. Juste parce que j'ai voulu vomir mon tacos, il était dégueulasse. Je te dis la vérité. J'ai couru vers sa fenêtre comme ça, il m'a dit non, saute pas. Je te jure, c'est vrai. Je te jure, c'est vrai. Bon, si jamais les sacoches elles sont dispo, site BTB Graphique qui sera écrit juste là. Voilà, il y en a pas beaucoup de quantité. Donc, franchement, c'est de la qualité. Beau placement, c'est un super beau placement. Et voilà, hein, comme d'hab, vous nous mettez 15 000 pouces bleus parce que 20 000, on dirait, c'est trop demandé, les gars, c'est n'importe quoi. 15 000, on teste la KXF. Et il y aura le Sven contre Dave. Ça, c'est bien, ça marche bien, ça. Pardon ? Ouais, Sven versus Dave. En quoi ? Merci, ciao, je pousse comme un clochard. Salut ! Faut que je récupère mon joint sur la golf.